si on est en train de voir se développer en temps réel des écosystèmes primaires. Ça veut dire non impactés par l'homme, sans le contrôle de l'homme qui va ici mettre des poissons, là-bas mettre telle espèce, choisir l'espèce d'arbre et tout. Là, c'est la nature qui décide et puis elle prend les meilleures décisions. Les arbres qui supporteront pas les conditions climatiques, là, ils ne vivront pas. Et les arbres qui se développeront, ils seront adaptés. Le retrait glaciaire sur Terre est en train de faire apparaître plein de zones humides qui sont les tourbières de demain. Donc il faut les préserver parce qu'elles ont un rôle extraordinairement important. Et puis elles sont aussi importantes parce que ces zones humides sur Terre, elles permettent de séquestrer du carbone. Pourquoi? Parce que toute la matière organique arrive là-dedans, elle ne va pas être décomposée parce que dans l'eau, il n'y a pas assez d'oxygène. Et donc peu à peu, ça va nous faire de la tourbe. Et sur le temps très très long, ça fait du charbon, mais en tout cas de la tourbe. Et donc ça, c'est vraiment un gigantesque lieu de stockage du carbone sur Terre.